Bonjour à tous, nous sommes mercredi 3 août 2022, c'est parti pour une vidéo à Aldi de Créteil et vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana. Des bouquets de fleurs, un bouquet de fleurs, 4,99€, fleurs séchées. On a ça, on a les tiges de pampa, mais alors celles-ci elles sont bien fournies. Enfin elles sont fines, mais vous voyez ce que je veux dire, elles ont l'air plus fournies, plus épaisses. Voilà, 3,99€ la tige. Horloge radio guidée. On a gris, bleu, on a blanc et bois. Et on a aussi l'indication des 10 degrés. Et à ventouse. Horloge de bain. Voilà, j'avais pas tout lu. Avec ventouse. 9,99€. Désodorisant. Diffuseur en bouteille comme ça, 3,99€. On a Wild Amazon Pure Nature. Pèse personne numérique. 9,99€. On a noir ou blanc. Allumage et arrêt automatique. Affichage de la batterie faible. Capacité maximale 180 kg. Vous l'avez compris, une des thématiques, c'est la salle de bain. Étagère murale de salle de bain. Donc pour y mettre ses petites serviettes, accrocher, enfin avoir à dispo et puis ranger si on a des serviettes en plus et puis quelques petites décos. 40 cm par 28 par 42. 24,99€. Porte-serviettes laquées, 16,99€. Donc c'est des porte-serviettes comme ça sur pied. 16,99€. Ensuite on a des paniers. J'adore moi quand il y a du blanc et du bois, je trouve que ça se marie très bien, c'est sympa. Donc panier en plastique et ferrotin pour salle de bain, maison, chambre d'enfant, bricolage, bureau et plus encore. Alors j'ai l'impression qu'il y en a deux. Non, c'est juste une impression. Et on les a aussi en noir. Et en plus petit. Alors du coup, en plus petit, c'est 8,99€, mais il y en a deux. Et c'est bien quand il y a le couvercle, parce que justement, vous voyez, on peut les empiler. Donc ça, on gagne de la place, parce que des fois, il y a des armoires où les étagères sont hautes. Et du coup, ça fait un vide. Là, au moins, vous pouvez en entasser, enfin, en superposer deux. Petite boîte de rangement. Alors de loin, je crois que c'est une poubelle. Des boîtes de rangement, lot de 2, 8,99€. Donc on a noir ou blanc. Flexible de douche, 3,99€. On a ce modèle ou ce modèle. Moi perso, je préfère celui-là. Ah non, c'est du plastique tous les deux. Je croyais que c'était, vous voyez, de l'acier là. Non, ce sont en plastique tous les deux. On a blanc ou gris. Les douchettes bien-être. Donc on a plusieurs modèles. 9,99€. Il y a ça, je pense, pour régler. Distributeur de savon ou de gel. 7,99€. Alors c'est pas mal. Alors j'ai vu la dernière fois une de mes voisines qui avait ce genre de distributeur dans sur sa baignoire. Et en fait elle l'utilise et je trouve que c'est une bonne idée, parce que moi je le fais mais pas avec ce distributeur là, pour le shampoing et le gel douche. Du coup c'est vrai que voilà, on fait ça, on a une dose directement. 7,99€. On peut l'utiliser aussi pour le liquide vaisselle, enfin tout ce qui est liquide. Poubelle à pédale, 6,99€. Donc en gris comme ça. Alors, je regardais parce que des fois avec la lumière ça fait des reflets, je pense que c'est noir. Non, c'est du gris. Les draps de bain, 6,99€, donc 70 par 1,30 m.
Elles sont bien, hein. Elles ont l'air assez épaisses. Donc on a cette couleur et cette couleur. D'ailleurs, cette couleur est très jolie. Donc, si vous avez déco de salle de bain, bambou, etc., c'est une jolie couleur. Tapis multi-usage, 9,99€. On a 5 coloris, 65 cm sur 1,80 m. Produit multifonction, 3,49€. Supprime les grincements, chasse humidité. Ça, on peut en mettre sur les gonds des portes. Pensez à le faire de temps en temps. Portes, fenêtres aussi, si vous avez des portes-fenêtres ou des fenêtres. Donc on pense pas à le faire et puis après jusqu'au jour où la fenêtre ne ferme plus ou la porte grince de trop. On peut l'utiliser pour les vélos, pour pas mal de choses. Hein. Assortiment de colle, 3,49€. Un petit tour côté plage, c'était un arrivage de la semaine dernière il me semble, mais peut-être que vous en avez besoin pour le mois d'août, c'est les matelas de plage, 14,99€ ou de camping. Donc pour être à l'aise à la plage, être confortablement assise, alors ce qui pose problème sur la plage, c'est pas forcément ça, c'est plutôt d'avoir quelque chose pour avoir un petit peu la tête un peu surélevée. Donc il y a plusieurs couleurs et il y a même une petite pochette qui se ferme comme ça. 14,99€. Les serviettes microfibres. Donc à la base, c'est vrai, c'était des serviettes de sport. C'était sorti dans une enseigne de sport la première fois que je les ai vues. Puis après, ça, on a commencé à en voir un petit peu partout. Et ce qui est bien dans ce genre de serviettes, c'est que vous voyez, ça prend pas beaucoup de place. 4,99€. Alors vous voyez, par exemple, moi, j'ai du mal à m'essuyer. J'ai l'impression que quand je m'essuie avec ça, ça ne... Oui, c'est radical. Alors du coup, c'était, je discutais avec Peggy, donc bonjour Peggy. Bonjour Azika. Voilà, je voulais te faire un petit coucou, mais on va faire un petit coucou aussi à Victoria. Victoria. Kéyane. Et Cécilia. Gros gros bisous à tous les trois en tout cas. Bon, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. chaise de plage, 14,99€. Ça peut être sympa si on n'a pas envie d'avoir le grand matelas de plage. Et puis ça peut être sympa si on a envie de lire. Voilà, on n'a pas envie d'être sur le sable. Bon, ce qui est bien, c'est que voilà, vous voyez, ça, c'est facile à emporter. On va avoir juste aussi le camping avec les sacs cadeaux training, 29,99€. Le sac de couchage, 14,99€. Alors, c'est pas un sac de couchage, ça. Je me suis fait avoir la semaine dernière aussi avec les étiquettes. C'est un matelas auto-gonflant. Il est là, le sac de couchage, 14,99€. Alors juste une petite parenthèse sur les sacs de couchage. Je sais que parfois dans les collèges, etc., on prévoit de faire du camping. Si vous savez que votre enfant est dans un collège où il prévoit du camping, ou vous savez que vos enfants vont partir en camping, n'hésitez pas. Alors il faut voir, celui-là il fait 2 mètres sur 80. N'hésitez pas parce que des fois, tout au long de l'année, on a du mal après à les trouver. Et pas à ces prix-là non plus. Donc on a celui-là et puis on a ce format-là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est momie ceux-là, forme momie. Ils sont comme ça. Donc voilà, si vous savez qu'il va y avoir du camping dans l'air, n'hésitez pas à prévoir un sac de couchage. Si vous avez le budget, parce que je sais qu'en ce moment c'est les vacances et des fois on ne pense pas peut-être au reste de l'année. Je reviens juste aussi sur tous les accessoires... baignoire. Alors c'est vrai que vous m'aviez posé une question, c'est de savoir si c'était c'était à ventouse ou bien il fallait fixer au mur. Alors c'était pas ça que je voulais montrer, c'était la barre d'appui pour baignoire, celle-là et celle-là. Alors en général, ce genre de produit, moi je vous conseille, si vous trouvez ventouse, de ne pas prendre de ventouse. De toute façon, je pense même pas que ça existe parce que c'est vraiment des poignées murales de maintien. Donc ça va être voilà, soit pour la douche, soit pour la baignoire. Alors on peut la mettre là ou on peut mettre aussi... J'imagine qu'il y a un mur là, sur le mur là pour prendre et pour voir se hisser dans la baignoire. Et en fait, ben voilà, la personne va mettre toute sa force. Donc la force, mais c'est jusqu'à 120 kg quand même. Donc vaut mieux que ce soit vissé quand même. Voilà. Et donc c'est 14,99€. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore un gros gros bisou à Peggy et à ses trois enfants. Plein de gros bisous. Puis à très bientôt, j'espère.